Mardi, le président américain Donald Trump a annoncé à la Maison-Blanche que son administration suspendait le financement à l'OMS et qu'une enquête était en cours pour évaluer le rôle de l'OMS dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Et ce, malgré la mise en garde des experts. Le président américain défend avec vigueur sa propre gestion de la pandémie au sein de son pays. Son administration a été en effet mise en cause pour avoir minimisé la menace du Covid-19 dès le début et a été blâmée pour les retards dans les tests. Le changement de ton du président américain est radical par rapport à son tweet publié le 24 février, dans lequel il disait, je cite, que le coronavirus était largement sous contrôle aux États-Unis, qu'ils étaient en contact avec tout le monde et tous les pays concernés, et que les centres de contrôle et de prévention des maladies et l'OMS avaient travaillé dur et de manière très intelligente.